fait passage dans les habits de ce temps, dans les repas, l'équipage, les meubles, les ornements, les damoiselles vêtues de leurs habits d'arlequin se promènent dans les rues sur leurs petits brodequins. Madame paraît enflée d'un lourd et large manteau. Elle en chemise accablée sous la mode du fardeau. Voyez donc leur queue traînante, le beau linge transparent, leurs étoffes différentes à trois ou bien quatre rangs. Leurs écharpes composées de morceaux tout rapportés par artifices plissés avec sans diversité. Leur coiffure à triple étage, leurs beaux colliers enrichis, leur orgueilleux étalage, leurs cheveux noirs tout blanchis. Leurs amadis, leurs guipures, leurs franges d'or, leurs galons et leurs autres garnitures dont on ignore les noms. Oh, quel tas de niaiseries, d'affiquets et de les jours, ses rêveries s'accroissent de plus en plus. Des filles de Babylone, les hommes sont amoureux, chacun a son amazone pour se rendre malheureux. Ils imitent ses sucreries dans le luxe des habits, dans leurs perruques poudrées, dans leurs étoffes de prix. Leur habit change de mode plus souvent que tous les mois, et quoi qu'il soit incommode, ils doivent subir ces lois. Monsieur l'abbé, je vous laisse vous déguiser, vous poudrez.
voyant votre mollesse, l'Église devrait pleurer. Votre soutane pompeuse, votre rabat bien tiré, fait de la bonne faiseuse, votre chapeau s'illustré, votre ceinture volante, vos beaux souliers si mignons, votre manière galante, mais enfin nous vous peignons. Le luxe s'est rendu maître de presque tous les festins, et l'on n'y voit plus paraître qu'à ces hommes mondains. L'orgueil et l'intempérance, le plaisir, la volupté, en ont chassé l'innocence avec la frugalité. Ces magnifiques services, ces vaisselles de vermeil, ces ragoûts, ces artifices, du plaisir et de l'orgueil, cette inutile abondance de mets et vins délicats, cette excessive dépense qu'on fait pour un seul repas. Enfin mille excès de table que le luxe a recherché rendent l'état misérable et causent mille péchés. Oh, que de vains équipages, que de chevaux, que de chiens, que de laquais comme pages, oh, que de pertes de biens. De rares architectures,
de vastes appartements, de bijoux, de miniatures, de mille raffinements, de nouvelles hautes lisses, de nouveaux lits suspendus, mille nouveaux artifices, ou plutôt nouveaux abus. Le luxe tout diabolique s'est introduit en tout lieu, et l'on vante sa pratique pour n'être pas scrupuleux. Presque aucun ne suit les traces que doit suivre un vrai chrétien. On est chrétien par grimace, mais au fond on est païen. Le luxe chante victoire sur l'humble simplicité, et le monde a mis sa gloire dans l'art et la vanité. D'où vient ce mal ordinaire? C'est qu'on veut être estimé, c'est qu'on désire de plaire, c'est que l'on veut être aimé. Paraît-on en compagnie, les beaux habits, le grand train? Est-on seul la modestie succède à cet air mondain? C'est qu'on veut vivre à la mode et suivre le train commun, de peur d'être un incommode ou de déplaire à quelqu'un. Souvent l'envie orgueilleuse d'en voir un autre mieux mis est la source malheureuse du luxe dans les habits. Le démon fait qu'on s'empresse sous ombre de propreté à cette délicatesse, à cet être trop affecté. Il fait qu'on boit sans scrupule de ce poisson préparé, et qu'on mord sans qu'on recule à cette hameçon dorée. Mais si pour plaire à vous-même, comme on fait comme une
cinéma pour qu'on vous voie et vous aime. Vous prenez cet ornement. Dès lors, vous êtes coupable, indigne des sacrements, esclave et suppôt du diable, digne de tous ses tourments. Le luxe vous ensorcelle, vous n'y voyez point de mal, mais à votre mort cruelle, vous le connaîtrez fatal. Malgré toutes vos folies et vos plaisirs du dehors, vos âmes ne sont remplies que de chagrins et remords. Mettez-vous crête sur crête et ne vous abaissez pas, bientôt orgueilleuse tête, oui, vous tomberez là-bas. Là, vous serez bien payé de vos fardes, de vos atouts, des heureux mal employés dans vos jeux et vos amours. Femme brave, fille belle, que vos charmes sont cruels, que vos beautés infidèles font périr de criminels. Oui, vous paierez pour ces âmes que vous avez fait pécher, que vos pratiques infâmes ont hélas fait trébucher. Tant que je serai sur terre, idole de vanité, je vous déclare la guerre, armée de la vérité. Toi qui ne veux pas me croire, en lisant ces petits vers, j'attends sur toi la victoire quand tu seras aux enfers. Retranché, âme bien-née, tout ce qui ne sert de rien, efforcez-vous d'être orné du seul et souverain bien. Fuyez le monde en sa gloire et
rentrer en votre cœur, que ce soit votre oratoire, votre joie et votre honneur. Fuyez le luxe funeste, mais gardez la propreté. Et soyez humble et modeste, sans avoir rien d'affecté. Faites de votre famille votre devoir principal. Formez-la sur l'Évangile et n'y souffrez point le mal. Donnez-lui toujours l'exemple de toutes sortes de biens, afin qu'elle vous contemple comme son miroir chrétien. Faites de votre famille votre devoir principal. Formez-la sur l'Évangile et n'y souffrez point le mal. Donnez-lui toujours l'exemple de toutes sortes de biens, afin qu'elle